Bonjour. Alors, je suis en train de respirer profondément. Et pourquoi respirer? C'est évidemment pour utiliser l'air ambiant dont j'ai besoin. Et cette partie de l'air ambiant qui est l'oxygène, qui est un ingrédient majeur, évidemment, du fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau. On peut très bien, vous le savez, rester 2 mois sans manger. Les gens qui font une grève de la faim. Une huitaine de jours sans boire, c'est pas très long, mais sans respirer, vous savez que c'est encore bien, bien moins long et que ça peut avoir des circonstances irréversibles. Donc, on a à disposition un appareil respiratoire. Et la plupart du temps, on ne sait pas s'en servir. On respire là, timidement, dans le haut de nos poumons, vaguement. Alors que les poumons, ça se remplit. Voilà. Et si vous le faites en même temps que moi, vous verrez que vous aurez un afflux de bien-être, hein, même sans parler d'oxygène. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on remplit les poumons, on ferme les yeux et on goûte cet oxygène. Et en échange, évidemment, on va débarrasser les yeux et le cerveau de tout ce qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire essentiellement le CO2. Et ça se fait à tout moment. Donc, pensez à le faire à tout moment de la journée. Et rendez-vous compte que souvent, on retient son souffle. On est absolument obnubilé par quelque chose qui se passe dans l'ordinateur, on vous envoie par téléphone une nouvelle terrible, et on retient son souffle. Et il y a des chances qu'on soit en train de fixer en même temps, parce que les deux vont de pair. Donc, devenez conscient. Lorsque vous êtes assis, bien souvent, et surtout à la fin de la journée, quand on est resté très longtemps devant son ordinateur, on se tasse. Bon, j'exagère. Et si on se tasse, le dos va s'arrondir, la tête va peser vers l'avant, le diaphragme va se comprimer, on ne va pas bien respirer. Alors, il y a un truc tout simple, c'est une petite ficelle élastique. Et vous voyez, si elle est suspendue au plafond, ou si vous êtes dehors, suspendu au ciel, et un nuage, et un oiseau qui passe, vous voyez la différence? Tout de suite, le corps se redresse, mais en souplesse. Nos vertèbres vont pouvoir prendre leur place confortablement sur les disques qui les séparent l'une de l'autre, et on ne sera pas comme une pauvre chose tassée, et on va se redresser. Et en se redressant, ça va faire comme un appel d'air, et on va respirer. Et la respiration, évidemment, est un moment aussi de repos, de répit, non seulement pour le corps, parce que l'oxygénation va se faire mieux, mais l'oxygène est hyper important pour nos yeux et pour notre cerveau. Alors, tenez-vous bien, redressez-vous bien, en souplesse, sentez-vous bien dans votre corps, et moyennant quoi, vos yeux vont pouvoir voir à l'infini.